Bonjour YouTube, on est parti donc sur une petite session de Choice Chamber. Tout au plus une petite demi-heure, sauf si je suis frustré qu'on fait des heures sup, mais normalement non. J'espère que ça vous plaira. C'est parti du coup. Donc le principe de Choice Chamber, c'est que le chat va donc voter comme vous le voyez juste au-dessus de moi et en répondant aux questions qui sont en haut à droite. Et puis voilà, moi je m'adapte. Le jeu évolue en fonction des votes. Et puis voilà. On avait déjà fait une session découverte dessus. Là, on attend un petit peu que le timer en haut à droite se termine. Et du coup, la porte à droite va s'ouvrir. On pourrait aller à gauche, mais c'est une porte donc, qui va nous amener dans un autre monde, entre guillemets. Vers des raccourcis, vers un niveau beaucoup plus dur. Alors que là, c'est la run de chauffe. Hein, donc, on va y aller doucement. Pour moi, comme pour le chat, pardon. On est parti. Let's go! Alors, on a un arc, très bien. Petit arc pour commencer, ça fait plaisir. Le chat de l'amour, évidemment. On est parti. Ok. C'est beau, c'est beau. Un petit critique pour terminer. Let's go. Est-ce que je cacherai pas un petit peu hop. Permettez-moi de me décaler. Voilà. Go, go, go. Ah oui, c'est vrai. Double tir si je saute. Si je tire, saute, tire. Enfin, double shot. Shot très rapide en tout cas. Ouais, par contre là, ils sont pas très très bien dans leur petit trou. Ultra dangereux. Hop, 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 hop. Ok. Oh, vous êtes sérieux. Ok, je vois qu'on a décidé d'être taquin dès le début. Très bien. Donc Pogo, on n'arrête plus de sauter. On reste appuyé sur espace si on veut arrêter de sauter. En fait, on inverse un peu les touches. Hop. En fait, ils ont un certain temps de réaction, ceux-là, qui fait plaisir à voir. Voilà, les petits par contre sont très coriaces, très dangereux. Au bout d'un moment, ils vont très très vite. C'est assez impressionnant. Allez, allez. More crits. Merci. Yes. Les volants sont très chiants. Surtout avec Pogo, du coup. Hop. Yes. Ah, il peut passer là, non? Même pas. Hop. Tiny enemies. Ce serait bien d'avoir les flammes ou la glace. Les flammes en vrai pour le fire mode pour l'arc. Ça va pour l'instant. Les ennemis, on n'a pas trop de mal. Ah oui, alors là, donc. C'est bon, on l'a eu direct. Là, il va falloir donc que le chat vote entre. Mettre un chiffre entre 0 et 10. 0 étant. Va créer en fait une plateforme qui est au niveau du sol ici, sur lequel je saute. Et 10 va créer une plateforme très très haute que je ne pourrais pas atteindre. Donc voilà, s'ils mettent 1, 2, 3, eh bien ça va monter comme ça. Par exemple là, Uba a mis 2. Et donc voilà, on a une plateforme atteignable. Oh là là, quel. Ah! Non! Je ne peux pas y aller. Donc la seule solution en fait, c'est de revenir en arrière et d'annuler.
Je peux pas aller, sinon je meurs. Donc, ouf, c'était un peu présomptueux, mais ça passe. c'était chaud. Est-ce que du coup ça... Ah, merci. Yes, parfait. Après, vous, ils peuvent également... Ah, Uba est capitaine de soirée, donc Uba, en tant que capitaine de soirée, donc de 10 pièces, vous voyez tout en haut, au niveau de l'écran de combat, pas au niveau des questions, juste à côté. Donc, il peut, une fois par pièce, m'envoyer une caisse contenant soit un cœur, soit une pièce, soit un ennemi, soit une bombe, soit une caisse vide, soit un objet aléatoire dans toute cette liste, soit il peut annuler le statut de capitaine de soirée. C'est à lui de voir. Donc là, par exemple, il peut s'amuser à m'envoyer. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Non mais, c'est quoi ce truc là? Non mais, c'est une blague ou qui c'est qui a mis ce... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Qui a fait ça? Ça sort d'où, ça? Est-ce que c'est vous? Dites-moi. Dites-moi si c'est vous. Parce que là, ça va pas le faire. C'est quoi ce truc de taré, là? C'est une blague ou quoi? C'était sérieux, là? On s'est fait démonter. Bon, on s'est fait démonter par un truc qu'on n'avait jamais vu. Bah je me suis fait démonter parce que je suis seul contre le Tchad visiblement. Donc là j'ai pris le raccourci en gros qui me permet donc de d'aller dans des niveaux beaucoup plus difficiles mais avec, avec des trucs assez sympas. Puis ça permet de changer un petit peu. Ok. Donc ces ennemis là balancent des espèces de gros blocs de glace a priori. Sur une certaine hauteur. Ils peuvent toucher les ennemis. Enfin mes ennemis. Ils peuvent les blesser, ça c'est un truc qui nous pousse. Comment on va faire, voilà, parfait. Eux ils sont très chiants avec leur pic. Hop, non. Hop. On va essayer d'éviter ça, parfait. Pièce un peu glacée. Donc les pics ne touchent pas les ennemis, je crois. Ah, là, c'est pris les dégâts. On va essayer de spam un peu la touche. Ouf. On peut casser, je crois pas. Je crois que j'ai touché le bloc dans les airs et ça n'a pas cassé. Boomer, le boomer, donc le boomerang. Plutôt cool quand on a compris un peu comment ça fonctionne et comment ça peut fonctionner. Taille, taille normale, taille standard, on va dire. Bah, toujours de l'amour. Double jump, donc très cool ça par contre. Ah! Alors ça c'est un... C'est quoi ça déjà? Bouclier? Non? Je ne sais plus. En tout cas c'est un... C'est censé être hein, une espèce de robot... un drone à moitié qui nous aide. Mais nous on va prendre un slot de cœur comme on fait à chaque fois. Donc là on peut soit laisser le chat voter, soit on peut soi-même en tant que joueur péter le slot, enfin la vitre qui nous plaît. Donc là, moi, je prends... Ah, no dashing. Merci beaucoup. Pas de dashing, c'est très bien. Un vent qui nous pousse vers la droite. Donc le vent, très compliqué à gérer quand il y a des trous avec de l'ordre des... du feu ou autre. Oh. Hop. Waouh, 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 le vent qui a failli me balancer dans, dans le bloc. Ok, ça va être très chiant. Alors là, il faut pas qu'il nous écrase contre un... Ok.
Oh, merci. Non, c'est merci personne d'ailleurs. Oh, les deux en même temps. Donc un petit cœur qui fait plaisir. Et donc le truc là va nous écraser contre un mur ou autre chose. Et du coup, on perd un cœur à chaque fois. Le but c'est pas de se faire écraser ou pas se faire pousser dans un trou. Ok. Gizmo. Alors la dernière fois je me méfie parce que... la dernière fois j'ai eu un gizmo qui m'a pourri la vie je crois. Ou qui m'attaquait une fois sur deux, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je ne sais pas. On va... Ah oui, à chaque fois j'ai peur de tomber dans le vide. Donc là... Ils vont choisir donc un chiffre entre 1 et 5. Colonne de gauche 1. Colonne de droite 5. Donc, il va falloir essayer d'arriver en haut là à droite. Sachant que j'ai double saut donc... très vite je pourrais l'atteindre. Laissez-moi mettre pour que je lui donne des cœurs, le pauvre! Ah, Uba qui n'est plus. Psyka, pardon. Oula. Qui n'est plus en mode vengeance cette fois. Elle veut me donner des cœurs. C'est mignon. Merci. Merci pour le. Pour l'intention. Je sais pas si ça va arriver, mais. Oui, non. Trop court. Ah, attendez, je crois que je peux. Oui. On va attendre un petit peu. Délai. Oh boy, deux nouveaux capitaines de soirée, abusés. Deux fois de suite, GG. Trois cœurs. Oh, héros invisible. Ça, c'est chaud par contre. J'attends un petit peu au niveau du délai. Délai sur le chat. Deodorant. Merci. Merci de ne pas vouloir m'éradiquer. On est parti. On est comment? Pourquoi est-ce qu'il ne nous tire pas dessus? Est-ce qu'il nous voit pas? Les pics! Ok, il a juste bugué en fait. Ok. Hop, pou. Je sais pas si je suis là. Ok. Ouais. Non, non. On est là. Je l'avais pas vu arriver, lui. Là, maintenant, si vous ne me voyez plus, c'est normal. Il faut se repérer à la poussière que je fais quand je saute. Et on est à peu près au milieu. De toute façon, on est contre ce truc-là. Voilà. Maintenant, il reste ça à voir. Et on peut l'avoir assez facilement, puisque en revenant en arrière, il se replie, donc ne tire pas. Bon, c'est long et chiant, mais ça marche. Je suis coincé. Ah. Ok, c'est bon. Très bien. Il faut juste pas se louper, mais on a le double saut, donc ça doit le faire. Plus invisible, s'il vous plaît. À des collines. Pithead, il y a des trous. Alors, ce sont des pièces qui seront grandes, avec des trous, et qui vont il va y avoir des collines. Ce sera vallonné. Et on a plus le double saut, on a le grand saut. Et on a l'épée, on a plus le boomerang. Et là, on a un cœur de pique. Donc voilà, donc c'est le cœur de pique qui nous permet d'encaisser un dégât de, bah, des piques là, avec du personnage orange, de l'ennemi orange. Sans perte de cœur. Enfin, c'est une couche de plus sur notre cœur en haut à gauche. Ok, merci de ne plus me rendre invisible. C'est très... Ah oui, on a plus le double saut, faut que je fasse gaffe. Cela là, je peux me prendre un dégât de cela. Ça le fera. Non mais c'est pas l'idée. Oui, il y a le double coup. Ouf. C'est pas passé loin, ça. Oh, merci. Ou bas, du coup. Il est où, Gizmo? Il s'est barré? Ah non, il est en train d'harceler les ennemis, en fait. Et il les aggro en plus. Ça, c'est cool. GG. Ok, hop, on va le contenir. Lui aussi. Faut surtout pas qu'il nous pousse. Oh, reste là. Hop. Allez, hop, on continue.
Donnez-lui du soleil. Alors, pas vengeance, mais un peu taquin quand même. Hein, du soleil, bravo. Ice Mud, donc on va geler les ennemis, ça va être très cool. Icy Floors, ça va l'être un peu moins. Donc les sols vont glisser. Bah voilà, waouh. Je pensais pas que les pics remonteraient comme ça. Wow. Hop hop hop, la bombe. Heureusement qu'on avait de l'espace à gauche. Sinon c'était... Oula, le... Oui, le lag. Le petit bug du jeu. Et la glissade sur la glace, évidemment. C'était à prévoir. La configuration des pièces est juste horrible avec ces trous là. Je peux pas vraiment réajuster en mon saut en plus. Donc c'est assez, assez compliqué. Donc est-ce que c'est bon ou pas? Wow, le petit lac qui m'a fait arriver juste sur le bord. C'est pas drôle, Hunter. Ah. Ah oui, les pics, donc ils s'activent. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Je crois que je me suis pris une boule de feu, mais genre... au pire timing du monde. On va décéder là-dessus, je crois. Pire configuration de salle. La glissade sur le sol gelé, plus le grand saut. À la limite, le grand saut peut nous aider. Plus les trous... Plus les monstres relous. Si ça, à la limite. Ok. Hop, hop, hop. Merci. Merci pour votre soutien. Oui. Un cœur. 10 ennemis. Ok. Sunny Weather. Waouh. Ok, ça nous aveugle. Je suis aveugle, je ne vois plus rien. Ça ne va plus rien, nous sommes stronger, donc plus de dégâts, a priori. Oui, le raccourci. Est-ce qu'on va pouvoir le prendre? Il faut qu'on le prenne. Je me méfie de ça. Mais, oui, 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 c'est bon. Donc là, c'est un raccourci qui nous permet de sauter des pièces. C'est juste le chat qui choisit combien. En mettant slow ou spin. Spin pour accélérer, slow pour ralentir, évidemment. Et vous êtes bilingue, évidemment. Donc voilà, c'est à lui de choisir. Pas l'habitude. Mais la crème. On se calme. Chat qui va accélérer la roue. Sachant qu'il y a un timer, hein. Je sais plus où il est, mais il y a un timer. Je crois qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Tu as pas pris le cœur. Bah non, j'ai pas pu en fait, parce que là, la direction est à... est à se faire dessus, comme on dit. J'ai pas réussi à... à avoir la caisse. Attends. Deux pièces, je crois. C'est ça. Juste deux pièces, ici. Hop, c'est pas la bonne touche. Ah. Non. J'étais coincé. Le truc rouge là m'a coincé dans un... Le truc rouge m'a coincé dans un... Dans le coin pendant que l'autre me balançait le bloc de glace. Horrible. On va attendre un petit peu pour le délai. Rect, complètement. Le combo de la mort. Boule rouge plus...
plus comment, plus bloc de glace sur la tronche. Fatal. Il y a des combos comme ça qui sont assez vénères. Donc là j'ai pris le côté plus simple, on va dire. Je vais pas dire simple, je vais dire plus simple. Hop. Donc là on a toujours le... Non, on a un petit saut normal là. Je saute beaucoup parce que on peut enchaîner deux coups rapides quand on tape et qu'on saute tape. Mais il y a une petite manipulation à voir. Hop, ça c'est fait. Oh non! Ok. Les volants sont très galères. Par moment. Trop de bons gars, j'avoue. Got the bow! It's okay. Pareil pour les flèches, je crois qu'on peut enchaîner deux flèches rapides. Wow, 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 wow. Eux anticipent beaucoup nos déplacements du personnage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Double jump, merci! Ça, c'est cool. Double jump, très pratique. Donc, pareil, comme tout à l'heure, faire un bon pont, si vous voulez. En votant entre 0 et 10. Merci. Parfait. Ouba. Ah si, c'est bon, j'ai le double saut. Ouba qui nous tape un 10 en plein milieu. Il était tellement bien timé en plus, ça allait très très fluide et paf, le 10. Heureusement que j'avais le double saut. Allez, le vert. Ok, 3 tirs dans la face, ça fait mal. T'as une ennemise, Ouba. Ouba, encore qu'un thème de soirée, mais y a que Ouba qui vote à ce moment-là ou quoi? 3 fois de suite, incroyable. On mitraille, on mitraille. Oula. Alors quand c'est Ouba, c'est souvent des bombes, donc on va se méfier. Qu'est-ce que je disais? Laser, faster attack. Non, slot du coup. On a 152 pièces quand même. Ouba qui triche, qui double vote ou triple vote, je ne sais pas. Vote contre triple. Ah. Mais c'est une mitraillette mon perso là, non? Mais complètement. Mais regardez-le, il s'envole. Random. Oh, une pièce. Parfait. On va essayer de... Il essaie de me bouffer lui. On va passer par le raccourci. Paf. Spinner slow. Vous connaissez la musique. Alekos qui tend de la strat. La strat. Je ne sais pas, la strat. Oh oui. La strat fourbe.
Une vraie mitraillette là, notre archer là, c'est impressionnant. Il n'a eu qu'un seul faster attack, non? Il s'arrête plus quoi. Bon, je spam la touche hein, évidemment. Mais là, c'est impressionnant. Mitraillette quoi. On se relance PUBG avec une AR. Allez, je me doutais qu'il y aurait une bombe. On a tous nos cœurs en plus. Hop. Let's go. Pièce petite, ice mode et 3 cœurs. Merci beaucoup à vous, mais on en avait déjà la totalité. Donc on a le ice mode et il y a des pics. Ah non, elles nous... On est bloqué. Si on ne saute pas, on est bloqué sur place. L'ice mode, c'est tellement bien. En vrai, dès que tu touches, tu gèles. Après, du coup, tu t'enchaînes les dégâts. Bombe. Random, rien. Ok. Random, c'était empty. Ça va, c'est un moindre mal, comme on dit. Jamais autant tirer. Le tir aussi vite. Faster attack! Je vais rester sur la touche. Tiny enemies. Et les pièces vont vers le haut. Wow. Plus rien ne nous arrête là. Dylan P. Salut Dylan. Bienvenue. Aouh. Bienvenue et merci pour l'arc-en-ciel. Et je ne sais pas l'effet. Je ne connais pas l'effet. Même si on l'a déjà eu 2-3 fois. Bonjour et bienvenue. Donc là, il faut que j'aille à côté parce qu'il va tirer de haut en bas. Et voilà. Et là, on enchaîne à chaque fois, on alterne. Là, ça devrait le faire. Si je spam, oui. GG à vous. c'est quoi? Invisible héros. Wow. Il est... pièces sont grandes maintenant. Ah oui, c'est quoi ça du coup? C'est vrai qu'il y a ça là. Ah! Je sais qu'une fois, je sais plus qui connaissait un peu le jeu, nous avait dit d'utiliser la bonne escient, mais on s'est pas trop aventuré là-dessus. Personne n'a trop osé. En même temps, le mot. Hop, hop, hop. Il y a plein de choses dans le jeu qu'on ne connaît pas forcément, qui sont à découvrir. Même si on a vu quand même pas mal de choses à un moment, là on avait fait une belle série de run magique. Du coup, est-ce que Dylan, par exemple, tu sais ce qu'est le... A priori, oui, je pense, sur le petit clin d'œil. Ah, c'est pas fait bouffer. On prend un cœur comme ça? Allez, on a un peu plus de chance. Double jump. Et donc les pièces. Full, ouais, full cœur là. Complètement. Un de chaque. Donc chaque cœur a un effet particulier. Je sais que le dernier à droite rend les ennemis inoffensifs normalement. Ce qui n'a pas été trop le cas puisqu'on les tue. Donc après, ils nous attaquent forcément. Mais sinon, à la base, il nous laisse tranquille. Une caisse. Wow. Ouf. Esquive. Wow. Esquive. Incroyable. Je ne te félicite pas, Ouba, pour cet ennemi qui a failli m'avoir. C'est pas ce cœur-là? Il me semblait que c'était le cœur... Peace and Love. Enfin... Mais si, il me semblait que c'était celui-là. Je sais pas... Ah non, on a perdu notre cœur qui nous protège des flammes. Donc on n'a pas perdu de cœur. Wow.
Genre, il m'a bouffé quand je suis arrivé, quoi. Ça me fait halluciner, la vitesse où ils vont. Ils anticipent tellement les atterrissages. Oh, c'est sale, ici. Il est mort. C'est bon. Wow. Plus de flammes. On a 320 pièces, mais on s'en sert pas trop des pièces en général. No dashing, merci. Parce que le dash, c'est une horreur. Ah bon? Ok, je crois que c'était celui-là. Ils se ressemblent tous. Là, si c'est une bombe, ça risque d'être chaud. Random! Non mais regardez ça, je ratterris, le machin me détruit, quoi. J'ai même pas le temps de réagir. Donc là, il faut que je choisisse une couleur pour enlever le bug de cette même couleur. Afin que je puisse... Hop. On se protège des pics. Hop, c'est bon. J'ai réussi à me faufiler. Wow, impressionnant. Ok, pense-moi qu'il n'y a pas de vent. Hop, ils sont très très galères ces pièces avec des trous comme ça. Attends que le truc de lave saute. Hop, elles ont l'air de toucher le toit. ah non, pas toutes. Vraiment, le Ice Mode, il est vraiment très très cool là, pour le coup. Il fait plaisir. Ok, des petits cœurs? Non. Pièce petite. Oh, le vent qui pousse vers la droite. Psyka est capitaine de soirée pendant 10 pièces. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Maudit vent. Maudit vent. Le vent qui m'a tellement surpris. Qui m'a poussé dans le vide. Heureusement que j'ai un double jump. Oh là là, mais ils sont trop rapides ceux-là, c'est impressionnant. T'as même pas le temps d'atterrir qu'ils t'ont déjà croqué. C'est tellement la violence. Et le vent, comme d'hab, hein, le vent qui me pousse dans le... Dommage, Psyka, tu aurais été capitaine de soirée pour une seule pièce. J'attends pour le délai, hein, tant qu'elle se rende compte qu'elle n'est plus capitaine de soirée. Ça aurait été éphémère. Très éphémère. Mais en vrai, les... La pauvre. Les petites boules, là, les petits trucs de base, ils sont horribles. Ils vont tellement vite. T'atterris, t'ont déjà croqué, t'sais. C'est tellement violent. GG Psyka, merci pour ton aide. Ceux-là, là. En vrai, ils vont tellement vite, après. Non, mais en vrai, merci beaucoup. Un soutien sans faille. Je plaisante, évidemment. Hop. Non, il y a eu le vent qui m'a poussé sur un petit bestiole de base, et les bestioles de base sont trop rapides, en fait. Je trouve qu'ils sont un peu cheatés. Tu atterris, qui te croque, genre en 2-2, ils ont déjà calculé ta trajectoire, et c'est fini, quoi. Wow, wow. Ça marche, merci Ouba, merci beaucoup pour les nombreux bits. Merci encore, passe une bonne soirée, une bonne nuit. Bon retour du coup en France. À très bientôt, des bisous. C'est quoi là du coup? Crits? Bow. Toujours un arc, ok, on garde l'arc. D'ailleurs on va pas... tarder à arrêter, hein. Normalement c'est la dernière, et là ce sera vraiment la dernière. On va arrêter les heures sup sur ce jeu.
Malgré une grande frustration, évidemment. À chaque fois. Avec des morts bêtes comme celles qu'on a eues avant. Il va falloir être raisonnable. Ouais. On termine, on meurt et voilà. Et on arrêtera là-dessus. Pas d'heure sup cette fois. Allez, et même si c'est une mort ridicule. Du coup, on va essayer de se concentrer quand même. Enfin, non pas que je veux rester tard, mais quand même. Alors. C'est une blague? Non, ne me mange pas. Yes, un petit cœur qui me fait résister au feu. Alekos, tu es capitaine de soirée. Et je tire plus vite. Ok, parfait. Ah, ça va bien te viser dans le bon sens. Ça, pour l'instant, c'est pas très très compliqué, hein. Il suffit de juste tirer. Est-ce qu'il y a une mise? Bah ouais, mais on se revoit demain. Demain. Complot. Ah oui, c'est pour le capitaine de soirée. Changement. Oula. Allez, Kos. Je ne sais pas. Quoi? C'est quoi, Zilch? Qu'est-ce que t'as mis, Comment t'as fait pour mettre Zilch? Allez, Kos. Qu'est-ce que. En quelle langue tu joues? En quelle langue écris-tu? Pourquoi j'ai eu un Zilch? Non, je n'ai pas besoin de tirer. Excusez-moi. Mon doigt était... Ah, d'accord. C'était vide. Donc là, ils doivent voter entre 1 et 5. Pareil, 1 à gauche, 5 à droite. Bon, faut exploser une bombe. Mais moi, il faut pas que je reste dessous, sinon j'explose. C'est peut-être comme ça. Peut-être que c'est aléatoire. Résultat! On a... Ah oui, on a encaissé un dégât de bombe. Non mais c'est une blague. Je me fais peut-être deux fois quoi. Non par contre là je suis coincé. Je suis coincé, je peux rien y faire. Non. Il faut que j'essaie de mettre ce truc là avant qu'on ait une bombe sur le premier, avant que le chat m'extermine. C'est bon, là on est protégé normalement à peu près pendant... Pendant quelques bombes. Je ne sais pas où est la sortie pour l'instant. Tout à gauche, tout à droite, tout au milieu, je ne sais pas. Ah. C'est reparti. Ok. Non, abusé. La caisse qui... Attends. Des... Ah, c'est tout à gauche en plus. Je suis bloqué, je peux pas sortir pour l'instant. 32, psychia, carrément. Entre, les 5... Entre 1 et 5... Là, je suis obligé d'attendre qu'ils détruisent les blocs à gauche. Oui, non. Ah, ah mais là... C'est quoi, 5 heures, 5 heures. Ah, ils essaient de me tuer. Au secours. Le cœur, le cœur, le cœur, merci. Ça y est, je peux me déplacer. Ah, sérieux, quoi, c'est abusé. Il y a juste un bloc à détruire. Merci. Arrête de courir, merci. De sauter. 32, carrément. Facer attaque, les amis explosent, et moi-même, explosons en laser, et les pièces sont petites. Et nous avons le ice mode, donc nous gelons les amis, ça c'est cool. Il nous faudrait un slot de cœur en plus. Hop. Ah, on va pouvoir passer des pièces. Est-ce qu'on passe les pièces? Parce que du coup, ça nous empêche d'avoir des votes, enfin des... Des améliorations. Oh, merci. Merci à l'Ecos pour ce cœur. Ah, je suis coincé avec le bloc des critiques.
C'est bon. Non, on va pas passer cette fois plein de pièces, ou pas du tout. On va rester... On va progresser normalement. Petite caisse, je veux chercher l'argent. Non. Qu'est-ce que c'est? Un cœur. Hop. Non, des fois il ne tire pas dans le bon sens. 4 cœurs, 4 très beaux cœurs. Il nous manque un qui n'est pas spécial, mais tant pis. Allez, allez. On se barre, il y a un volant. Nothing! Bah merci. Bah c'est mieux déjà, je comprends. Parce que Zilch, c'est spécial. Est-ce que ça remplace automatiquement le cœur pas spécial par un cœur comme ça ou pas? Non. C'est le dernier à droite, du coup, qui est remplacé. I enemies, more crits, et 3 cœurs. Merci. Même si nous sommes pleins, merci beaucoup. Oh là là, c'est cette précision. Cette auto-aim. Incroyable. C'est quand tu veux. Un cœur de plus. Vous n'avez pas confiance en moi. Allez, hop. Ouf. Icy Floor. Ouh, que ça va être chaud. Ah non, je saute tout le temps. Je peux pas, du coup. Y a que si... Y a que si je m'arrêtais sur un truc. Un ennemi, très bien. Ok, je vois le genre. Allez, allez. Il tombe sous mes coups. L'autre sens, s'il te plaît, merci. Allez. Non, c'est juste au-dessus. Ah. Oh, attention. Ah oh non, il m'a eu. Je me suis fait bloquer par le gros glaçon que j'avais devant moi et du coup l'autre m'a enchaîné avec la boule de feu. Incroyable combo encore une fois. C'est souvent comboté là en ce moment. La dernière fois déjà on avait pris pas mal de beaux combos de d'attaque. Là le gros glaçon plus la boule de feu du haut. Les pièces vont vers le haut. Ah, héros invisible. Et les pièces sont plutôt petites. Ah c'est le boss. Pogo, c'est pas pratique. Hein. Alors, est-ce qu'il faut faire... Quoi? J'étais là? Ah, oh, je pensais que j'étais au sol. Ouh. J'ai eu tellement de la chance, j'ai même pas sauté, en fait, pour arriver de de l'entrée, enfin, du seuil de la porte, on va dire, à la plateforme ici pour le boss. J'ai pas sauté, en fait. J'étais appuyé sur la barre espace pour qu'il arrête de sauter et que j'arrive à gérer les tirs, et au final j'ai frôlé la mort. Ah c'est bon. On voit rien plus... Ah merci. Le double jump et du coup l'invisibilité qui se barre. Et on va pouvoir mieux gérer nos sauts. Par contre lui il va me toucher. Non. Merci. Le pont. À vous de jouer. Entre 0 et 10. Grave chanceux, ouais. Grave chanceux. Je vous l'avais pas vu, du coup, parce que voilà. Mais je n'étais point invisible. Mais c'était vraiment ultra, ultra tendu. Hein. Ça aurait jamais dû passer, en vrai. Même ça, ça peut être glissant. Oh bah, merci à l'Ecos. Un pont du tonnerre. Est-ce qu'il y a la mise? Salut The Programme. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Salut The Programme, bienvenue. The programmeur, pardon. Si
si j'apprenais à lire les pseudos. Hop. The Programmer. Voilà. Allez. C'est bon, lui il a fini dans le vide. Là c'est chaud là en vrai. Je m'occupe de ce qui se passe à droite hein, pour l'instant. Ça vient en ombre. Ok. Genre. C'est bon. Tu l'excuseras pour la lecture des pseudos, il a toujours du mal. Oh, genre. Là oui, pour le coup, je sais pas pourquoi, mais... Je suis pas allé jusqu'au bout. Donc les pièces sont... des trucs de lave à moitié. Pas de dash, merci encore. Psyka, oh mon dieu. Psyka est capitaine de soirée. Je sais pas si c'est une bonne chose. Allez, let's go. C'est bien, ils tombent tous dans le vide. Oh, oh, oh. C'est bon. Il s'est fait détruire par une flamme, parfait. Bon, l'ennemi. L'ennemi juste à l'entrée, merci. Désolé, je bug parce que je me concentre à cause de ces Mister Flamme là. Vrai galère. Et eux, ils arrivent à me shooter en plein air. Ça me saoule. D'une puissance. Par quoi? Je comprends rien. Je sais pas ce qui me tue des fois. Oui. Oh, j'avais pas vu le cœur, j'ai esquivé la bombe. Merci au fait. Hein, merci beaucoup pour la bombe. Incroyable. On a frôlé la catastrophe. Non, pas le vent. Bon, le vent, on va mourir vite fait. Donc, je rappelle que si on meurt, on arrête là. Il est déjà plus de minuit. On aurait dû s'arrêter il y a déjà quelques minutes. Ah, le vent. Je vais finir dans la lave. Ils arrivent pas à avancer en plus les volants. C'est assez assez cool. Ah c'est bon, on va se coincer là-dedans, on n'avancera plus. Merci. Tu essaies de te faire pardonner, c'est ça? Wow. Ce vent, sérieux? Les pièces sont plus petites et on a un gizmo. Le gizmo sont les drones dont je parlais tout à l'heure qui peut nous aider ou pas. Il fait quoi lui alors le gizmo là? Il me ramène des trucs peut-être, non? Les pièces ou les trucs comme ça, non pas du tout. Les cœurs? Je ne sais pas. Mais sérieux quoi, il a anticipé mon saut, c'est une blague? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il sert à quoi? À rien? Allez? Il sert à quoi lui? Hein? Sérieux? Une pièce. D'accord. Il me porte. Youhou! Jusqu'en haut, et une fois qu'il arrive, il me laisse tomber, ok. Donc Tiny Enemies et Ice Mode encore. Non, une fois ça va aller. Merci pour le cœur. You don't know me, yo, me, ou... Non. Je ne sais pas. Merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup et bienvenue.
sur le live. Non mais non, lâche-moi. En fait, il est très chiant ce gizmo. Il ne sert à rien. Des petits cœurs. Oh la bombe. Qui c'est qui vient de mettre une bombe? Qui c'est qui vient de m'exploser? C'est Psyka. Sacré timing. Oui, un cœur, merci. Oh, ok, no problem. Welcome. Du coup... Trop contente. Ah. Oui, GG. Nice. Des collines. Ice Floor, ok. Et vol. Je vais avoir une crampe aux doigts. Ah. Wop, wop. Non, lâche-moi. Hop. Wop, wop. Les pièces sont maintenant très grandes. Oh non, 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 il n'y a pas de vent, merci. Quelle saloperie ce truc? Non, quoi? Mais lâche-moi. Pourquoi il n'y a personne? Se passe. Deuxième boss, donc celui-ci est un peu plus vénère si je me souviens bien. Non. À l'assaut. Ouah. Non. Wow, 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 wow. Ah, il me saoule ce gizmo là. Ok, ça va. Il va me foncer dessus. Voilà. Ça, on connaît. Ah, l'assaut! Ok. Ouf! La flamme. Allez, toi! Ah. Ok. Non. Ouf. Ah, la saut. Désolé, j'ai pas trop le temps de voir le chat. Je sais pas si vous m'écrivez des choses, mais là, c'est tellement la concentration et la chance. La chance. Allez, on va la voir, on va la voir, on va la voir, on va la voir. C'est une blague, vite! Gizmo, aide-moi! On l'a pas eu! C'est une blague! Wow. On l'a eu! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh! C'est chaud. C'est tellement intense en vrai. Incroyable. Ah. Et on continue. Merci. Horrible. On a plus de
puissance, on tape plus fort. Ah, j'ai les bras, mais les poignets, enfin le doigt en miettes, quoi. Tiny enemies. Rooms are now bumpy. Et ça, c'est quoi? Oh, un slot supplémentaire. Oh, je vous jure, j'ai les poignets, le doigt et tout qui... Faut spammer, hein, faut vraiment être en mode gros spam, quoi. Bon, GG. GG à vous, GG à nous. Phase 2. Donc ça, c'est là qu'on serait arrivé si on avait pris le raccourci. Est-ce qu'on va avoir les piquants? Non. Donc c'est pas là, en fait. Ah bah ouais, du coup. Mais ça, c'est... ouais, à chaque fois, hein, ce jeu-là, c'est... Heure sup obligatoire, hein, quasiment. Tu veux pas... Voilà. Ah, non. Ah, c'est un cœur de glace. Cœur de glace, je ne sais pas ce que c'est. On va les avoir de loin. Si bien il n'y a pas de vent. Wow, 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 wow. Un autre cœur de glace. Peut-être pour résister au tir de ceux-là, là, je pense. Des espèces de... Pas d'hippopotame, du coup, des éléphants hippopotames. Attendez, on va attendre ce qui se passe derrière. Non! Non! Ah! Bah, ok, il a bugué, il est revenu. Merci! Merci. Ah! Nice. Ok, parfait. Oh, c'est pris un dégât alors que... Ok, bizarre. Ça, c'est quoi? C'est la caisse, non? Non, c'est pas la caisse. Ok. Sol invisible. Ça va être chaud. Alekos est de nouveau capitaine de soirée. Et les amis vont mourir en laser. Et nous aussi. Ah! J'ai eu peur. Donc ça ne dure que une pièce, donc ça va. Donc là, ils doivent donc mettre des blocs de façon à ce que je puisse atteindre la droite, la sortie à droite. Donc en votant de 1... à 5. Ça, c'est une caisse. Ouais, mais non, du coup, je vais pas le prendre. The Programmer. Ah. J'essaie de garder les cœurs qu'on a là. Je pense que ça peut être pas mal. Yes! Merci à vous. Oui, double jump toujours. Parfait. Les pièces sont plus petites. C'est pas terrible ça en fait. On va se faire éclater. Want other cool powers? Ok. Ouais. Non, mais... Attention au pic, attention au pic, ça va. Diggy enemies. Pas trop, merci. Yes, pas le temps de tirer. Il y en a un autre là. Lui, par contre, il a eu le sang, mais ça va.
Ok, dégâts pris par... Nada! Nice! Ils sont chiants, eux. Ouais, mais est-ce que ça va remplir... Ok, je sais pas du tout c'est quoi le qui en va verrouiller. Tant pis. Tant pis, tant pis. Un... Ok. Ok, ok. C'est sombre. Après le soleil de tout à l'heure. Ennemi spécial. Du coup là on est ultra ultra OP pendant quelques secondes. Je sais pas s'il y a un timer. Non, je crois pas. Wow. Non. Ok. Je vais avoir une crampe à mon doigt, hein, je vous jure. Après ça, on arrête pendant 2 semaines de jeu à Shoei Chamber, j'aurai plus de doigts. Plus aucun jeu d'ailleurs. Hop. Alors on retrouve l'ambiance Bretagne. Cette attaque. Alors, on a encaissé un coup et on n'a pas pris de dégâts. Enfin, on n'a pas perdu de cœur. Ça, c'est cool. Comme s'il faisait gris des fois en Bretagne, n'importe quoi. Ce cliché. No. Je voulais le garder. Bon, on évite les flammes au moins. 3 cœurs, vous êtes trop gentils. Et là donc, Sticky Floors. Et les pièces vont vers le haut. Elles grimpent. On peut essayer de passer ça en vrai. Ouais, on va essayer. Ça passe, c'est pas sûr. Waouh! Mauvaise idée. Non! Yes. Le cœur brisé ne fait rien. Le cœur brisé, le blanc là, enfin le. En glace? Bon bah on va prendre ça. Comme ça voilà, on esquive les pics. On spin en slow. Preuve en photo. Non mais oh. Cette attaque. Encore. Et toujours. 6? 5? Bah ça encaisse un coup. C'est ça? Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. C'est la première fois qu'on le voit. What is it? Merci. 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 C'est chaud. Un mini-boss? Ok, jamais vu. Eh ben, nous arrivons dans tes contrées inconnues. Petite pièce, on a un gizmo. Sharp enemies. Ouais, je sais pas ce qu'il fait du coup. Quoi? New weapon? The pan? Énorme, on a découvert un nouvel... Merci. On a découvert une nouvelle arme. Un mini-marteau. On peut spammer un peu plus, ça a l'air d'être plus puissant. Enfin, ça a l'air d'être plus puissant que l'épée, je pense. Et on peut aller plus vite qu'avec le marteau, du coup. Une poêle. Comme dans PUBG. Ah, je peux ouvrir par le bas. Enfin, je peux... escanter les trucs qui sont en dessous de moi. Non, il y a un petit délai, le temps que le chat voit... ce qu'il faut faire. Et donc voilà, une fois que c'est parti, on le retient plus. Bah, par contre, ils sont tout à droite, donc si je vais tout à droite, j'aurai que deux endroits pour me déplacer. Je préfère rester à gauche pour l'instant. Voilà, des rapides. S'il y a une bombe qui saute. Ok. Ok. Oula.
Oh, faux, faux. S'il y en a une à gauche, je plonge à droite. Je préfère être sur mes gardes, toujours en mouvement. Ok. Waouh. Ok. On a bien fait d'anticiper sur les sauts. La sortie est où? Elle est ici. La sortie est en 4. Au hasard. Si jamais. Nice. J'ai pris un dégât, genre. Je suis allé trop vite. Mon dieu. 34, Hunter? Rooms are now bumpy. Sharp enemies. Il pique. Northern Winds. C'est quoi? Il nous fait aller plus haut, c'est ça? Ouais, il vient du bas. Et les pièces sont de taille moyenne. Sur classe, ça va en vrai. Ça nous fait aller très très haut. Psyka, 32 tout à l'heure, non? C'est pas ça? Bon, la span. Wow. Là pour l'instant ça va, il tombe dans les... Elle est où la caisse? Attendez... Ah il me l'a ramené! Coup de poil! Le bruit du bang est bien fait. Je voyais plus rien... Non! Wow. Putain, avec le... Non. Un cœur. Il est où? J'ai pris? Ah ouais, je l'ai pris. Max Pan. C'est quoi ça? Les sauts que ça me fait faire en vrai. Incroyable. Wow. Mais des sauts impressionnants. Wow. Non. Oh non. Invisible. Et... Sol collant, ça va. Mais héros invisible, c'est galère. T'es encore là, ça va. Max Pan, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est dégâts max, j'imagine. Je suis tout à gauche. Je saute. Je suis tout à gauche. Je suis au milieu. Je suis tout à droite. J'ai pris un dégât, mais comme j'avais un cœur de pique, j'ai résisté au... Au pic sans perte de cœur, juste une protection, on va dire, sur le cœur. Salut Big Gamer! Hello Big Gamer! 2727. Bienvenue! Ah! Je ne vois rien. Si, je suis là. Ok. Je me. Tiens, il y a les pics. Non. J'ai pas fait gaffe, je suis allé un peu trop vite là-dessus. J'ai pas vu qu'il était en train de... D'amorcer ses tirs. C'est bon. Ok. On est où? On est là.
Ice Mode, donc on va geler les ennemis encore. Les pièces sont des collines. Donc ça monte un petit peu, ça redescend juste derrière. Big Gamer is the Captain Room. Captain de soirée. En vrai, le Ice Mode là, c'est tellement bon. C'est tellement bien pour bloquer les ennemis et éviter qu'ils nous tirent dessus tout le temps. Hop. Ah, c'est qui ça? Nice try. Wow. Hop. Non. On est pas loin du timing nul. Non. Wow. Non. Vraiment qu'on a un cœur de feu. Ça devient... Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non. Buggy enemies. Non mais... C'est une blague? What the... Mais je fais comment là? Je suis obligé de mourir, sérieux. Quel connerie. Non mais... Sérieux quoi. Le truc qui revient en plus, genre tout va bien. Tiens. Non mais grave, il est bugué, du coup j'ai dû perdre un cœur pour le faire débugger. Double jump encore, parfait. Oh. Un petit cœur, ça va me faire du bien. Wow. Non. Ah, c'est horrible. Là, c'est horrible en vrai. Non. Non. Il y a trop de piques et de machins dans le coin. Faut pas que je saute. Je suis... Quoi? J'ai pris quoi là? Je me suis fait, mais... Oh! Je suis fait tellement coincé! Bon, chose promise, chose due. Merci YouTube, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. La fin a été un petit peu compliquée. C'était Chai Chamber, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Des gros bisous, à très bientôt, ciao ciao!